J'aurais jamais dû... Oh ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûr ? Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans son sang. La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce magistère Vaudin, il peut vraiment l'aider ? L'ordre étudie la macula depuis des siècles. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Seigneur, protégez-le. Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté ? Je pense qu'il préfère rester discret. L'ordre fonctionne comme ça. Quelqu'un le connaît sûrement. Demandons autour de nous. Là, un garde. Je vais lui demander. Bonjour. Pardonnez-moi. Savez-vous où nous pourrions trouver le magistère Vaudin ? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magistère. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Bien. C'est un début. C'est évident. Il ne peut pas utiliser publiquement le titre qu'il porte au sein de l'ordre. Nous sommes passés devant une fleuriste tout à l'heure. C'est quelque part du côté du marché. Tu es sûr que tu sais où est cette fleuriste ? On pourrait peut-être demander. Rebonjour. Oh, c'est encore vous ? Vous cherchez des fleurs pour le petit ? En fait, nous cherchons Messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients. C'est un client de mon mari. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. Ah. Mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une tunique brune. Une tunique brune. Merci pour votre aide. Espérons qu'il nous aide. Il le fera. Pardon, monsieur, c'est votre femme qui nous envoie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupé. Ce n'est pas pour elle. Nous devons trouver Messire Vaudin. Lui ? Il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. Oh, d'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. N'ayez crainte. Merci. Bien, ne perdons pas de temps.
Le quartier de la reine. Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver? Il y a du grabuge dans l'air. Je le sens. Oui. J'ai interdit aux enfants de quitter la maison. Quel taudis! L'ordre est riche. Que fait un magistère dans un endroit pareil? Il se cache, sans doute. Oui, sans doute. Amicia! Ce symbole sur le mur. L'ordre? Oui. Il est là. Défense d'entrée. L'arène est fermée au public. Et pourquoi donc? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez! Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens, on va faire le tour de l'arène. Oh! Ne perdons pas de temps avec des soldats. Jetons un coup d'œil aux alentours. Tu as raison. Désolée. Il y a une porte là-haut. Oui. Alors ? Prête à enfreindre la loi. Allez. Est-ce que c'est là ? La morsure, oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés mourir. Alors tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Hugo, on l'a amené ici. Allons trouver Magister Vaudin. S'il n'est pas déjà mort. Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici? Ces gens ont l'air pauvres. Ils doivent venir des taudis alentours. Personne n'a pu remarquer leur disparition. L'indifférence générale. Sans doute. Là, un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Les symboles vont nous mener à lui, tu crois? Oui. Là-haut, il y a un passage. Il y a forcément un moyen de grimper. Ça pourrait servir. Je vais t'aider. Vaudin est ici, il est en danger. Il connaît la morsure. Il doit éviter les malades. Lucas, si tous ces gens ici ont été mordus, ça veut dire... Pas forcément. Un malade aurait pu l'amener à l'intérieur de la ville. J'ai tout mon temps. Tu ferais mieux de te mettre à table. Pitié, laissez-moi. Cette brute n'est pas un soldat. Mais il en a l'habit. Pas une seule pièce. Non. Combien sont-ils ? Je vais plutôt chercher notre homme. Si je le trouve, j'aurai une récompense. Amicia, il va nous voir. Je vais le faire bouger. Remercie ce salaud de comte qui t'a laissé crever ici comme un chien. C'est moche de mourir comme ça. Qu'est-ce qui fait ce boucan? Alors, quelqu'un a vu ce médecin? Rien de mon côté. Un médecin? Non. Ce Vaudin est plus important. Quel chef qui va pas tarder? Merde. Il cherche Vaudin, eux aussi. Il pense qu'il est médecin. C'est bien notre chance. Eh ben, s'il est là, il n'a pas fréquenté fort pour soigner ses malheureux. Regarde ça. Ils sont encore plus pauvres que nous. Pas une pièce. Alors arrête de tout mettre à sac et cherche ce maudit alchimiste. Ah, quelqu'un va finir par le trouver. C'est quoi ce bruit? Tout est calme. Hein?
visite. Bon sang. Mystère là-bas. Aidez-moi à les arrêter. Vite, c'est un truc ici. On est repéré. Suivez-moi. Ennemi est là. Nous sommes repérés. Vomir. Oh, pitié, non. Là-haut, on dirait qu'on peut rentrer par là. Trouvons un moyen de monter. Vite. Il y a une sorte de moitié de chariot ici. Mais il n'est pas assez. Je pense qu'il déplaçait les corps avec. Cette cage là-haut semble être de la bonne taille. Ah. Elle est remplie de cadavres. Oh, ne regarde pas. On va le pousser. C'est un massacre. C'est nous qui l'avons amené ici. On les a condamnés. La Guyane est toujours touchée. Ça a déjà commencé à se répandre. Oui, mais ils auraient dû la voir venir. Ça n'aurait rien changé. Non, mange pas ça. Il faut qu'on sorte d'ici. Déjà tellement de morts. Comme si elle avait toujours un coup d'avance sur nous. C'est vrai. Mais aucun de ses corps n'a été dévoré. Regarde. J'ai l'impression qu'ils recensaient les morts. Ils ont oublié un couteau. Oh, il est coincé. Non. Allez. Bon, continuons par là. Je t'ai jamais vu utiliser des lames contre des gens. Je l'ai déjà fait. J'avais pas le choix. Une lame, c'est silencieux et rapide. C'est exactement ce qu'il nous faut. Non, c'est toi qui vois. Regarde par là. Un autre symbole.
Bien, mais Lucas, si ces gens sont tombés malades, ça veut dire que certains ont dû être mordus. Je n'ai vu aucun signe d'attaque. Pour le moment. Bon, avançons. Des soldats renégats. Ça ne me dit rien qui vaille. Hé ! Des corbeaux ! C'est l'archer, là-haut. Ah, j'ai besoin de sommeil. T'as tiré sur un cadavre ! Imbécile ! Ah, ça va. Ils ont bougé au dernier moment. Arrête de jouer et ouvre l'œil ! Ou c'est toi qui expliqueras à Arnaud pourquoi on n'a rien trouvé quand il arrivera. On est venu chercher un foutu alchimiste. On tombe sur un charnier. Eh, tout va bien. Restons ici à attendre la mort. Hein? Les intrus! Oh non! Hey! Les salopards sont là! Je les ai vus grimper! Je les poursuis! Venez avec moi, on va les avoir! Bon sang! Facile de vous trouver maintenant. Ils se sont mis à l'abri là-bas. Je les tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils nous ont détectés.